Je m'appelle Li Yunhe, je suis arrivé sur le site en 1956. À cette époque, les statues étaient fragmentées et incomplètes. Il y avait même des morceaux de fresques tombés partout par terre dans les grottes. J'étais navré de constater le très mauvais état des peintures murales. En voici une gauchie et pleine de craquelures. C'est un désastre. Il faudra au moins 6 opérations pour la remettre en état. Les fresques sont plus importantes que notre peau. Pourquoi? Parce que la peau se régénère en quelques jours, contrairement aux fresques, qui ne peuvent se reconstituer. J'ai l'habitude de prendre des notes. C'est le plan de réaménagement de la grotte numéro 220 de Mogao. J'ai restauré près de 500 statues. J'écrivais très petit car à l'époque, il fallait économiser le papier. J'ai accumulé une centaine de cahiers et carnets. Les fresques et les statues ne peuvent pas parler, mais elles sont tout de même vivantes. Pourtant, leur existence est fragile et leur droit à la vie repose entre vos mains. Si vous les restaurez bien, elles pourront vivre encore plus longtemps. Si vous n'accomplissez pas votre devoir dans cette tâche, vous commettez un crime. Vous ne pouvez pas laisser ce précieux héritage de nos ancêtres disparaître entre les mains de notre génération. S'il vous plaît, veuillez applaudir nos 6 spectateurs en ligne. Soyez les bienvenus. Quand on assiste à cette danse, on en déduit que notre sujet d'aujourd'hui est Lia Dunhuang. Les apsaras volantes sur les fresques du site en sont le symbole le plus classique et le plus représentatif. Mais avez-vous déjà pensé à ceux qui apportent en silence leur contribution à ces œuvres artistiques millénaires? Notre invité d'aujourd'hui a 89 ans. Il a travaillé dans la restauration du patrimoine culturel pendant 65 ans. Ce qui équivaut à plus de 20 000 jours de travail acharné. Il a rempli une centaine de cahiers. Il a restauré plus de 4000 mètres carrés de fresques et plus de 500 statues. Des applaudissements pour Monsieur Li Yunhe, expert dans la protection et la restauration de fresques anciennes et de sculptures peintes de l'Académie de Dunhuang. Bonjour.
Bienvenue. Merci, asseyez-vous. Avez-vous regardé la danse d'ouverture ? Oui. Quelle apsara volante préférez-vous, celle des fresques ou celle sur scène ? Je préfère tout de même celle des fresques. Leur tenue, leurs gestes et leur grâce me sont très familiers. Vous avez vu ? On dirait que M. Li effectue des mouvements de danse lorsqu'il parle. Leurs gestes, leur grâce. Comme vous les voyez tous les jours, les mouvements de ces peintures murales sont entrés dans votre vie. Les fresques de Dun Huang datent de nombreuses dynasties différentes. Lesquelles préférez-vous ? Celle de la dynastie des Tang, avec des personnages aux formes généreuses et de riches couleurs. C'en est une. C'est une fresque de la dynastie des Tang de la grotte numéro 220. Au centre, il y a des danseuses et les musiciens sont de chaque côté. Au milieu est représenté un serment avec au-dessus des apsaras. C'est divisé en trois niveaux. On appelle ça une illustration de sutra. À l'origine, c'est un écrit qui a ensuite été représenté sous forme de fresque. Tout le monde saisit d'un coup d'œil. Combien de temps vous faut-il pour restaurer une fresque ? Cela dépend de son état. S'il est mauvais, un restaurateur mettra environ 6 mois. On a du mal à croire que M. Li a 89 ans. Pourtant, il est toujours en première ligne. Sur quel site travaillez-vous maintenant ? Les grottes de Yulin à Dunhuang. En me documentant, le fait qui m'a le plus marqué est qu'ils doivent escalader des échafaudages pour restaurer les fresques. Ces échafaudages font souvent 2 ou 3 mètres de haut. Monsieur Li grimpe plus vite que les jeunes. Je peux encore les monter. Comme j'avais peur que cela prenne du temps, j'ai dit à ceux qui font les échafaudages, si vous pouvez les ériger et que je peux les monter, alors c'est bon. Pour travailler sur la statue de la tête du Bouddha, je montais sur une échelle droite, pas inclinée. Et ce qui m'a le plus ému, c'est de savoir que pour sa venue sur notre plateau, M. Li portait sa tenue de travail. Dessus, il est écrit « Protection du patrimoine culturel de Dunhuang ». M. Li va maintenant nous faire partager son histoire et celle de Dunhuang. La parole est à vous. Comment me suis-je engagé sur la voie de la restauration du patrimoine culturel ? Dans les années 1950, l'État a fait appel à la jeunesse éduquée pour participer à la construction du Nord-Ouest. J'ai dit à quelques-uns de mes camarades de classe, « Allons au Xinjiang pour voir du pays et partir à l'aventure. » Alors comment suis-je finalement arrivé à Dunhuang ? J'avais un oncle qui travaillait là-bas. Élève de M. Chang Shurong, il était peintre. Ma famille m'a donc dit que si je voulais aller au Xinjiang, je devrais passer par Dunhuang et que je devais y emmener mon grand-père. Après avoir accompagné ce dernier, j'ai annoncé mon départ. À ce moment-là, M. Chang Shurong m'a demandé ce que j'allais faire au Xinjiang. J'ai dit qu'avec quelques camarades de classe, on allait là-bas pour découvrir. Il a dit qu'on avait aussi besoin de jeunes comme nous à Dunhuang. Alors je suis resté. Les nouvelles recrues de mon unité étaient en période d'essai pendant 3 mois. Que faisait-on pendant ces 3 mois ? On nettoyait les grottes. Il fallait le faire dans chacune d'elles. Au bout de 3 mois, M. Chang Shurong m'a appelé dans son bureau. Il m'a annoncé qu'il m'a signé un travail. Il m'a dit, « Tu sais maintenant dans quel état sont les grottes de Mogao. Les fresques tombent, les statues sont de travers, et des grottes en désordre ne sont pas consolidées. Il faut restaurer ces grottes, mais tu ne pourras certainement pas accomplir ce travail, et notre pays non plus. » J'étais troublé. Puisqu'il en était ainsi, comment pourrais-je réussir ?
Finalement, le directeur Chang a dit, je ne te demande pas si tu peux, mais si tu veux faire ce travail. J'ai dit que je pouvais essayer, qu'il fallait tenter le coup. Monsieur Chang était ravi de m'entendre lui répondre ainsi. Il a dit « D'accord, tu peux tenter l'expérience en toute confiance. » Dès lors, j'ai commencé à faire des essais dans les labos pour déterminer les méthodes, les outils et les matériaux qu'il fallait. Cela fait, on pouvait aller à la grotte. Lors de cette expérience, le ministère de la Culture avait invité à Dunhuang des experts en restauration tchèque. À l'origine, on leur avait demandé de restaurer les fresques de Dunhuang. Mais après une visite sur le terrain, ils trouvaient les conditions de vie trop difficiles. Ils voulaient vivre dans un immeuble avec des douches et de l'électricité. Comme les conditions qu'on leur offrait ne les satisfaisaient pas, ils ne sont pas restés. Mais comme ils avaient fait des essais de restauration dans la même grotte que la nôtre, j'avais beaucoup appris. J'avais étudié leurs techniques de restauration. Alors M. Chang Shuhong m'a dit, les fresques de la grotte numéro 161 sont sérieusement abîmées. Au moindre courant d'air, les fresques couvertes de craquelures se désagrègent en morceaux qui tombent comme des flocons de neige. Pourquoi n'irais-tu pas là-bas faire un essai? Tenter l'impossible. Sauve ce que tu peux sauver. Les fresques souffrent de plusieurs maux. Le boursouflage, l'efflorescence saline, l'érosion sous la surface, la dégradation due aux fumées et la décoloration. Mais le plus grave est le boursouflage, car ce qui tombe est perdu. Les experts tchèques utilisaient des seringues médicales pour leurs travaux. Cette seringue fonctionnait sans aucun problème avec les fresques sur les parois, mais pas pour celles du plafond. Si vous appuyez doucement, le liquide s'égoutte le long de l'aiguille. Si vous appuyez fort, le jet détache des morceaux déjà fragilisés. Je réfléchissais à comment remédier au problème. Un jour, j'ai vu un enfant jouer avec une poire de tensiomètre. Ses parents travaillaient à l'hôpital. Je me suis dit qu'il me fallait cette poire. J'ai acheté des bonbons pour faire l'échange. J'ai modifié la seringue. Cela fait maintenant des décennies que je l'utilise. Dans la grotte numéro 161, il m'a fallu plus de 2 ans pour restaurer plus de 60 mètres carrés de fresques. Je traitais fresques et sculptures peintes tous les jours. J'étais comme leur médecin. Je ne savais rien de leur structure. J'ignorais de quelle époque dater ces fresques, quels étaient les matériaux et les techniques utilisées. Je ne savais pas si les statues avaient une armature en bois, en pierre ou en herbe. Je suis allé voir le directeur Chang pour lui dire que je voulais apprendre la peinture et la sculpture. Il m'a trouvé un excellent professeur, Che Weixiang, auprès de qui j'ai étudié pendant 1 an. Du matin au soir, j'étudiais ce qu'il faisait. Ensuite, j'ai appris la sculpture auprès de Sun Jiyuan. Ces 2 années d'études m'ont été d'une grande aide pour mes travaux. J'ai découvert que les armatures des statues étaient en décomposition. De ce fait, elles n'avaient plus la force de supporter la couche d'argile, donc elles s'effondraient. J'ai adopté une méthode appelée restauration par remplacement du squelette. Je refais l'armature en bois, la traite, puis j'assemble. Cependant, en restaurant la statue d'un gardien céleste, on a eu un problème.
L'armature des jambes était trop mince. Après restauration, on aurait dit deux brochettes. Ça présentait un risque. J'ai dit à M. Chang que je voulais modeler les parties manquantes de la statue pour qu'elle soit à la fois belle et complète. Mais ce n'était pas encore gagné. Plus tard, le directeur m'a dit que je pouvais essayer et qu'on verrait le résultat. Je me suis mis au travail. Les bottes d'origine avaient disparu, alors je les ai modelées. J'ai aussi fait les motifs dessus et les rubans noués autour des jambes. Quand on regardait de loin, ça semblait monolithique, mais de près, on voyait une différence. À ce moment-là, j'ai invité le directeur et les experts venir voir. Ils ont trouvé que c'était bien et complet. Dès lors, on a continué à utiliser cette méthode pour restaurer des reliques culturelles à Dunhuang et dans nos unités sœurs. Qu'il s'agisse d'une fresque ou d'une sculpture, réduire au minimum les pertes et assurer la meilleure protection sont les principes de notre travail. Alors plus tard, je me suis dit qu'il fallait que j'innove. Avant, on décollait les fresques morceau par morceau et on les replaçait sur les parois. Mais si une fresque était en piteux état, il était très difficile de procéder ainsi. Plus tard, j'ai adopté la méthode consistant à décoller les fresques dans leur intégralité. La grotte numéro 220 de Mogao était de la dynastie des Tang. Plus tard, des fresques initiales ont été recouvertes par d'autres datant de celle des Song. En voici de la dynastie des Tang. Les fresques du mur nord sont lumineuses et colorées. Il y a aussi la représentation d'un empereur sur le mur est. Et celle-ci est immense et magnifique. Voyez le souci des détails, comme avec cette barbe, par exemple. C'est le meilleur portrait de l'empereur dans les grottes de Mogao. Dans les couloirs de cette grotte, les fresques multicouches étaient toujours là. Alors j'ai eu une idée. J'ai demandé si on pouvait les décoller sans les détruire. Ainsi, on pourrait préserver les fresques de surface tout en pouvant voir celles dessous. Alors d'où m'est venue cette idée? Suite à des recherches, j'ai découvert qu'il y avait plus de 50 fresques multicouches dans les plus de 700 grottes de Mogao. Aujourd'hui, les fresques du site couvrent 45 000 m². Ce nombre dépasserait 50 000 m² si l'on décollait les fresques de surface. J'ai donc proposé cette idée. Plus tard, le chef m'a donné la réponse. Il m'a dit « C'est une très bonne idée ». Mais nos fonds sont insuffisants. À ce moment-là, j'ai réfléchi et j'ai rétorqué, du moment que vous êtes d'accord sur le principe, je résoudrai les problèmes restants. Plus tard, j'ai dirigé une équipe pour trouver des arbres morts dans les bois. On en a coupé, puis on en a fait un échafaudage qu'on a assemblé dans la grotte. Ainsi, on a pu séparer les fresques de surface de celles en dessous. Les peintures murales de la dynastie Song ont été fixées à l'échafaudage. Sur cette photo, on voit le résultat avec les fresques de surface enlevées. Ces personnes nettoient la partie basse des souillures ou la traitent pour empêcher sa détérioration. Celui qui est assis est M. Shi Weixiang. Il était très enthousiaste à la vue des fresques. Il m'a demandé de mettre un peu d'ordre pour qu'il puisse prendre des notes. Voilà comment c'était sur place. La paroi étroite sur cette photo est une fresque de la dynastie Song. Ça veut dire que ce couloir, qui mesurait 2 mètres de large, en fait maintenant 4. Il a gagné en volume. La plupart des fresques dans les couloirs représentent les donateurs.
Les inscriptions sur les personnes qui ont dirigé au fil du temps la réalisation des grottes se trouvent dans les couloirs. Donc non seulement on pourra découvrir à l'avenir de nombreuses fresques cachées, mais aussi ceux qui ont créé les grottes. C'est très important. Je fais ce métier depuis plus de 60 ans. Au début, je n'avais aucune connaissance dans le domaine. J'en ai acquis au fil du temps pour m'immerger lentement dans cet océan d'art qu'est Dunhuang. Mon fils et mes deux petits-enfants font aussi ce travail. Dans le respect des ancêtres, nous protégeons les œuvres d'art qui nous ont léguées afin de les transmettre aux générations suivantes. Merci. Merci à tous. Asseyez-vous. On voit bien là l'esprit de M. Li. Notre réalisateur avait prévu une chaise. Celle-ci a essentiellement eu fonction décorative. Dès qu'une fresque apparaissait sur le grand écran derrière lui, M. Li se levait et restait debout. Voilà tout l'enthousiasme, l'énergie et l'émotion de ceux qui œuvrent pour la protection du patrimoine culturel. Merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Les jeunes ont encore beaucoup de questions à vous poser. Non, merci, j'y suis habitué. Enlevez-la. Avant votre discours, nous en avions fait l'annonce en ligne. De nombreux internautes intéressés par le sujet ont posé leurs questions. Nous en avons sélectionné 6. Ce sont celles des 6 spectateurs en ligne devant nous. Chacun a résumé sa question avec un mot-clé. Vous pouvez répondre à celle qui vous intéresse. Montrez vos feuilles. Vous voulez soudoyer M. Li avec votre argent ? Permettez-moi de répondre à cela. Les liens entre la vie et le travail. Il y a aussi la question sur la vitesse et la lenteur. Vous méprisez vraiment l'argent, n'est-ce pas ? Oui. Posez votre question. Votre activité entraîne-t-elle une déformation professionnelle ? Par exemple, est-ce que vous ne pouvez pas vous empêcher de réparer un mur de votre maison s'il est fissuré ou des objets cassés ? J'ai cette habitude. Si certains murs de ma maison sont fissurés, que des poteries, des bouteilles, des bocaux, de belles choses sont endommagées, je les répare moi-même. J'ai fait la même chose quand je suis allé ailleurs. Quand j'étais au temple Jinta à Zhangye, dans le Gansu, ils m'ont demandé de réparer 98 statues. Finalement, j'en ai réparé 100. D'où venaient ces deux statues ? Dans la grotte, il y avait un tas de morceaux de statues et j'ai vu qu'il y avait la moitié d'un visage, des bras et des jambes. Je me suis dit que c'était réparable, alors j'ai assemblé deux statues. Question suivante. Le monde entier envie la rapidité de la Chine, mais les reliques culturelles ne peuvent être restaurées qu'au rythme de 0,09 mètres carrés par jour. Je me demande pourquoi c'est si lent. Cela prend du temps car il y a un long processus à respecter. En cas de détérioration grave, il faut commencer par s'occuper de ce qu'il y a dessous avant de restaurer la surface visible. Voilà la raison. Voici maintenant une question posée par un spectateur ici présent. Ce dernier craint de vous froisser. Je ne me fâcherai pas. Avez-vous déjà commis des maladresses pendant vos travaux de restauration ? Comment dire ?
Ce n'est pas moi qui ai apporté la réponse à cette question, mais le directeur Fan, lors de la remise des prix aux meilleurs artisans de Chine. Il a dit que mon plus grand mérite est de n'avoir commis aucune erreur pendant des décennies de restauration du patrimoine culturel. C'est une réponse en une phrase, mais c'est clair et sans appel. Je dois vous dire quelque chose. C'est une histoire dont j'ai entendu parler. Je ne sais pas si elle est vraie. Une fois, alors que vous retiriez une fresque avec vos collègues, l'échafaudage s'est effondré. C'est vrai, sa structure était trop simple. On était trois dessus pour décoller une peinture murale. Ces travaux entraient dans le cadre du projet de consolidation des grottes de Mogao. Une peinture murale de plus d'1 mètre carré pèse beaucoup et l'échafaudage n'a pas pu le supporter. À ce moment-là, je n'avais rien d'autre en tête. J'ai dit à tout le monde de bien tenir la fresque. On est tous les trois tombés par terre le long du mur. On s'est tous blessés, mais on a réussi à sauver la fresque. Vos bras étaient meurtris, mais la fresque n'avait rien. Donc ce parcours sans faute s'est fait au péril de vos vies. Un grand merci aux professionnels de la protection du patrimoine culturel. C'est maintenant au tour de nos 4 représentants du public. Avez-vous des questions, la première? Bonjour à vous deux. Je m'appelle Cao Yujie et je suis diplômée en archéologie. Vous avez restauré plus de 4000 mètres carrés de fresques. Cependant, de nombreuses grottes remises en état ne sont pas ouvertes au public. Le regrettez-vous un peu? À quoi bon si personne ne peut les voir? Bien sûr que si. Maintenant, vous pouvez voir toutes les grottes en ligne. Mais vous ne pouvez pas y aller pour de vrai. Il y a une contradiction entre ouvrir au public et restaurer. Plus c'est accessible, plus les fresques s'endommagent vite. D'un autre côté, on ne peut pas tout garder fermé. Nos objectifs sont la protection, la recherche et la promotion. Si vous n'ouvrez pas les grottes, comment les gens pourraient-ils les connaître? Afin de résoudre cette contradiction, on étudie les horaires d'ouverture des grottes, le nombre de personnes qu'elles peuvent accueillir, la teneur en gaz carbonique dans l'air ambiant, etc. À l'avenir, on pourra définir un nombre maximal de visiteurs dans chaque grotte afin de ne pas les affecter. C'est ce que nous souhaitons. Merci, Monsieur Li. Au suivant. Bonjour. Il y a quelque temps, une vidéo a fait fureur sur Internet. Regardons-la. Certains sont très charmants. Je suis de Dunhuang. Il s'agit d'un ensemble d'exercices interclasses que l'école secondaire de la ville où j'ai étudié a élaboré. Monsieur Li, cela vous intéresserait-il de l'apprendre? Oubliez Monsieur Li, moi je peux le faire. Demandons à notre charmante danseuse de faire une démonstration. Vous verrez comment je me débrouille. Montre un mouvement difficile. Non, un peu plus facile. Celui-ci. Le degré de difficulté est élevé. Je vais décomposer le mouvement. D'abord, je me concentre sur ce bras, puis l'autre. Recommencer. C'est comme ça. Comment se fait-il que mes mains ne fassent pas comme les vôtres? Ramenez l'autre main vers vous. Je n'arrive pas à les tourner. C'est presque ça.
Mais Monsieur Li pense certainement qu'il y a un travail de restauration urgent à faire. Merci. Les artistes ont mis beaucoup de temps à créer cette œuvre qu'est la danse de Dunhuang. Au début, ils ne pouvaient s'inspirer que de peintures murales statiques. Petit à petit, ils ont compris les mouvements de danse en établissant des liens entre les fresques pour créer ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons que la culture de Dunhuang a apporté beaucoup de changements aux élèves. Je voudrais savoir si vos nombreuses années passées à Dunhuang vous ont changé. Oui, au niveau du caractère. Je suis d'un naturel impatient, mais ce penchant s'est adouci devant les fresques. La restauration demande patience et minutie. Ce n'est donc pas moi qui ai changé les fresques, mais elles qui ont changé mon tempérament. Face à elles, je ne pouvais pas manifester de l'impatience. Le hasard fait bien les choses. Ces années passées à restaurer des fresques ont également été un travail sur vous-même. Oui. Monsieur Li, je voudrais enfin vous demander si vous avez vu le film d'animation Là-haut. Vous ressemblez beaucoup au personnage du grand-père, avec vos cheveux blancs et vos grosses lunettes. On dirait que les créateurs se sont inspirés de vous. Même le sourire est semblable. Pouvez-vous prendre la même pose? Et moi, je suis celui à côté? D'accord. Saluez le public. Comme ça? J'aurais dû relever un peu mes cheveux. C'est vraiment une allégorie. L'ancienne génération de restaurateurs du patrimoine culturel espère que davantage de jeunes, comme celui-ci, pourront la suivre dans son merveilleux voyage. Merci à vous deux. Suivante. Bonjour. De quelle époque êtes-vous ? Je porte une tenue de style de la dynastie Tang, avec des éléments de Dunhuang. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle Chen Yuan, je suis étudiante en ingénierie de l'université Tsinghua. J'aime beaucoup la culture de Dunhuang. J'espère aussi promouvoir à ma manière les personnages représentés sur les fresques de Dunhuang. Laissez-moi vous montrer une photo sur laquelle on me voit incarner une apsara volante. Wow. Monsieur Li, vous qui en avez tant vu, qu'en pensez-vous? Vous me donnez quelle note? C'est bien, mais l'étoffe est trop large. Les couleurs ne sont pas assez vives. De plus, le vol ne semble pas naturel. Ne volez pas! C'est le rendu d'un logiciel de retouche. En fait, vous étiez allongé par terre, n'est-ce pas? J'ajoute aussi que les rubans flottent de manière trop désordonnée. Pour plus d'élégance, il ne faut pas autant de sinuosité. Quand il y en a trop, ça signifie qu'il n'y a pas de vent, que vous ne volez pas haut, ou bien que vous vous déplacez lentement. Merci, Monsieur Li. Vous êtes étudiante en ingénierie, mais en aérodynamisme, vous n'êtes pas aussi forte que Monsieur Li. La manière de flotter des rubans dépend de l'altitude et de la vitesse. C'est lié à votre façon de vous mouvoir dans les airs. Ce sont des détails que remarquent les spécialistes. Je conçois des costumes et je suis un peu confuse dans le processus de reconstitution des modèles.
Avec le temps, les couleurs des fresques se sont peut-être estompées. Quand je fais mes créations, dois-je utiliser ce que j'imagine être les couleurs d'origine ou bien dois-je utiliser les couleurs actuelles? Je pense que ce que vous faites, c'est de la reconstitution. Vous ne pouvez donc pas faire des vêtements aux couleurs passées. Comme vous faites la promotion de la culture de Dunhuang, vous devez donc imiter les vêtements tels qu'ils étaient dans l'ancien temps, et pas ceux que l'on voit sur les fresques des fraîchis. Donc je dois imaginer les couleurs de vêtements de l'époque. Ne vous contentez pas d'imaginer. Vous devez peut-être vous documenter pour savoir quelles couleurs étaient les plus utilisées sous la dynastie Tang. Merci. Au dernier. Bonjour Monsieur Li. Je voudrais vous demander si vous pouvez imaginer le son des instruments de musique représentés sur les fresques que vous restaurez. C'est une bonne question. Parfois, quand je restaure un orchestre avec Zhang, Pipa ou Konghou, je ferme les yeux et j'entends de la musique. J'entends vraiment leur musique. Vous pouvez l'entendre? Oui, wow. À condition qu'il y ait du calme. Pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce que je suis en troisième cycle au Conservatoire central de musique. Je m'appelle Li Qingshuo et ma spécialité est le Guanzi. Le Guanzi? Oui, c'est cet instrument de musique. Ces deux-là sont en fait liés à Dunhuang. Cet instrument s'appelle le bili. C'est le hautbois représenté sur les fresques. Il est originaire de la cité de Qiuzi, qu'on appelle maintenant Kucha dans le Xinjiang. Il a une histoire de plusieurs milliers d'années. Ce que je tiens dans la main est un bili de la dynastie Tang. Il est actuellement très populaire au Japon. Le bili a été développé et s'est diffusé en Chine pendant de nombreuses années pour devenir le guanzi. Jouez-nous un morceau de musique. D'abord avec le guanzi. D'accord. C'est le célèbre adieu à Yangguan. Cela évoque les vicissitudes de la vie. En tout cas, c'est ce que je ressens. Je voudrais poser une autre question à M. Li. Comment mieux transmettre l'héritage de la culture de Dunhuang? Quand je choisis un élève, je regarde d'abord comment il se comporte. C'est le plus important. Je critique souvent mes élèves. Je leur dis, vous ne faites pas bien votre travail, non pas à cause d'un manque de compétences, mais parce que vous adoptez un mauvais comportement. Voyez l'attitude que vous avez quand vous traitez les fresques et les statues. Elles ne peuvent pas parler, mais si elles le pouvaient, elles vous poursuivraient en justice. Ils ont de la vitalité. Je leur dis, voici la surface à restaurer que je vous attribue. Vous devez terminer votre travail dans les temps. Si vous le faites trop vite, c'est un manque de sérieux. Si vous êtes trop lent,
C'est que vous paraissez. L'état d'une fresque détermine le rythme de travail. J'ai beaucoup appris en vous écoutant. Monsieur Li, vous et vos collègues apportez une énorme contribution à la protection du patrimoine culturel. Merci. J'espère également que grâce à vos efforts dans votre domaine, vous nous ferez entendre une musique millénaire. Je m'y engage. Merci infiniment pour votre discours d'aujourd'hui. Monsieur Li, 89 ans, est resté debout tout au long de l'émission pour échanger avec les jeunes. C'est dans cet esprit qu'aujourd'hui, encore nombreux sont ceux qui suivent vos traces et contribuent à la protection du patrimoine culturel. Pour terminer cette émission, j'ai longuement réfléchi. Mais j'ai jugé que je n'avais pas une assez bonne plume. J'avais beau me creuser la tête, je n'ai pas trouvé mieux que ce texte pour exprimer notre admiration envers M. Li et les restaurateurs du patrimoine culturel. J'ai donc choisi de reprendre un passage du discours prononcé en votre honneur lors de la cérémonie de remise des prix des meilleurs artisans de Chine. Je pense que ces quelques phrases résument exactement ce que je voulais dire. Dans les tempêtes de sable, une vie face au mur. Les journées dans les grottes, plongées dans les écrits millénaires. Il restaure minutieusement depuis 62 ans. Bien sûr, cette année, ça fait plus. Il a 89 ans et travaille sans relâche. Li Yunre a fait de son cœur un stylo et de son sang de l'encre pour que l'histoire renaisse. Applaudissons M. Li pour son merveilleux discours. Si vous en avez l'occasion, allez visiter les merveilles de Dunhuang. Et cela, c'est grâce à leur travail acharné. Merci. À la prochaine. Les anciens écrits bouddhiques chinois mentionnent les apsaras. Il s'agit d'êtres célestes qui font des offrandes aux dieux, adorent le Bouddha, dansent et font de la musique. Dans l'imaginaire populaire, les apsaras sont de belles jeunes filles. Vêtues de magnifiques tenues, elles volent au milieu de nuages et de fleurs colorées. Cependant, la première représentation d'apsaras en Chine est bien différente. Ici, les apsaras se distinguent par leurs cernes et leur nez noir. À première vue, elle nous évoque peu la beauté. En fait, ce qu'on croit être des cernes n'est que le résultat d'une grave oxydation de la peinture avec le temps. De plus, la région était à l'intersection des cultures chinoises et de l'Ouest. Elle a donc subi de nombreuses influences artistiques. La technique de peinture est en fait une variante de la technique indienne appelée méthode de trompe-l'œil. Étant donné que les premières fresques ont une origine si extraordinaire, à quoi ressemblait-elle avant qu'elle ne s'estompe? Voici une fresque de la grotte numéro 263 de Mogao. Elle date de la dynastie des Wei du Nord. Cachée sous les fresques des Xia de l'Ouest pendant plus de 1000 ans, elle vient d'être découverte. L'apsara est le plus bel être du monde céleste créé par les anciens au cœur pieux. Nous devons donc comprendre davantage les techniques de peinture afin d'apprécier ces fresques.